Ça a fait comment il est là, je dis à la Léonation Rivière dans Passou Barbershop, qui c'est un barbershop. Et il y a un jeune garçon, il y a un jeune haïtien qui là, qui a fait service dans la communauté là. Alors déjà, il y a Passou qui a fait une plateforme là. Et Passou, ça a fait. Bienvenue sur Léonation, frère. Eh bien, on connaît, frère. Nous là, on a regardé. Et puis, nous, très posé là, on a fait ça qui a venu pour nous. Mexique, et avant que nous entrions dans le barbershop là, ok? Comment vous faites atterrir Mexique même? Et un long parcours parce que faut me déranger comme vous m'avez parlé. Avant que m'atterrir Mexique et que moi été à la République Dominicaine et de République Dominicaine et puis moi fait tout parcours que vous connaissez jusqu'à ce que m'atterrir ici. Hein. C'est ça. Combien de temps vous avez fait République Dominicaine? En République Dominicaine, moi été gagné 4 ans et demi. 4 ans. Comment vous vous sentez même? Bon, c'était une bonne expérience quand même parce que je n'ai pas eu trop de difficultés. Tout le monde a plein de République Dominicaine. Moi-même, personnellement, je dis que République Dominicaine te fait bien et que je suis une expérience parce que je suis allé en République Dominicaine sans que je ne aller avec, comme si, dans le sens légal. J'ai tout le monde fait là. Je suis pris en route et que même j'ai toujours un passeport, je suis pris en route. Et que l'aime rivé, m'te travail, construction, après construction, et que m'fè l'autre. Tout travail m'fè n'fè. De yon m'fè comme m'fè. Jusqu'à ce que m'te toujours kon coupé cheveux, m'fè une barbershop. M'rete dans barbershop, et puis m'fè tout ça m'ke pour m'fè m'mette et visa sur passeport, m'ke un statut légal. Et puis m'vive dans le pays, j'en tout mon abdil. J'avais dit ou même, et ou pas qu'à parler négatif de la République Dominicaine, dans le sens à ta côté, j'en. Et en tant que haïtien, comme si nous connaissons des séries d'images, gens y a fait propagation sur internet là, ensemble avec les gens maltraités haïtiens. Mais pour bon côté pam, me pas connu jeune yo parce que me connu dans la rue, l'aime pas gain visa, me connu dans la rue tout le temps. Et là pour mal travailler que avant que ça tout, me dans cinéma tout, l'aime te République Dominicaine. L'aime te dans cinéma, me toujours prend la rue mal dans tournage. Je fais tout le monde descendre, je n'ai pas de problème. Même si tu es toujours là, gens qui ont maltraité l'autre frère. Mais on ne peut pas jamais camper dans la immigration. L'immigration n'a pas de problème dans la rue. Est-ce que c'est pas cool qui favorise dans ce sens-là ou bien? Qui ça me casse? Est-ce que c'est cool? Parce que les gens qui sont dans l'immigration, ils ont des couleurs plus facile. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas vivre, je ne peux pas jamais camper, je ne peux pas jamais dimanche. Je suis toujours libre Saint-Domingue. Après ça, je viens de mettre visa. Sauf que. Moi j'ai deux petits frères que l'immigration te prend. Là où te prend et que nous te fait tout ça qui possible, nous retourner faire rentrer toujours. OK, là pour te quitter Haïti pour aller République Dominicaine, qui ça que te pousse au prendre décision ça? Qui ça que te pousse me prendre décision ça? C'est après là maman mi en 2010 et que c'est moi t'a vivre comme maman ensemble avec papa, ensemble avec quatre petits frères et moi qui t'ai responsable dans la bien que m'étais petit en pile. Mais je suis avec eux, qui m'a dit que je suis en République Dominicaine. Il était toujours dit que je viens de Saint-Domingue pour continuer à vivre. Mais je dit que je ne peux pas terminer l'étude. Je me dit que je finis l'école. Et que si je suis tout, je ne peux pas quitter dans le pour continuer parce que je suis plus grand. Et puis, chaque lettre, c'est comme ça. Mais je suis un petit frère qui fait DM, qui vient terminer en VAM. Et que quand je fais ça, je prends et que je suis avec l'autre toile. Et que rete chaque lesse m'a dit pour me venir kounya li te vinn mette processus université li dit me venir pour me te rentrer dans université moi te ouais li te bon parce que me te terminé tout même pas bien me t'a fait jouer football et ça te profession en Haïti moi te arrivé rentrer dans université Dominicaine quand même me te commencé à aller dans Uniremos grâce ensemble avec football parce que me joue football bien me te commencé à aller prendre coup pour me te rentrer dans université là. Yo tapé demain ensemble avec et demi bous qu'on y a vienne mettre problème ensemble avec et corona et que m'pas de vienne continuer encore qu'on y a petit frère yo était Saint-Domingue et était Haïti minwe si m'aller dans université continuer dans université petit frère yo m'pas ka faire trop grand chose pour qu'on y a m'était obligé font petit camper et puis mal travail les mal travail et puis m'travaille toujours gérer petit frère jusqu'à ce que m'était dit comme ça que bon faire rentrer République Dominicaine ensemble avec parce que Haïti t'est venu retourner les pas gain l'école yo pas ca l'école t'est même voyer corps pour faire rentrer scolaire yo pas ca aller quand y a me venir camper dans travail yo t'est un travail révoqué
Quand il a dit comme ça, bon me faire rentrer pour cob là pas fini parce que me pas trop côté que me t'a joindre cob si manger la caille fini pour me voir cob. Quand il a dit bon me faire revenir que me faire rentrer République Dominicaine depuis là, n'a vivre. Est-ce que vous avec visite là? Non, me quitter République Dominicaine et que me venir ici pour cob. OK. Et profession comme quoi faire? Est-ce que c'est Haïti tout apprendre ça ou bien République Dominicaine? Bon. Ça sont belles questions pour me répondre bien ensemble avec question m'a cité nom maman code qui mouri depuis en 2010. C'est lui même qui fait me devenir un coiffeur professionnel dans moment parce que me songe té gion lè papa m té République Dominicaine et que li té font titan pas de voir comme ba mami qu'on y a cheve nous a monter en quantité mais chaque 15 jours mami gon boss li toujours à payer cob pour venir couper cheve nous. Quand il y a boss là vini dans 2-15 jours, il pas touché. Quand il y a pour ta vini encore, cheve nous haut. Quand il y a mamie dit bien et mais Jacqueline m'relé mais il dit Jacqueline, m'a pas acheté un petit pain, m'a pas acheté clams et que venir couper cheve ti monsieur. Même te connais ces blagues. Et puis c'est comme ça, il a acheté le vrai, il mettait ti moun yo devant. Et puis il fait me couper cheveux gain qui te gain pas qui te gain dieu dans ti mon petit yo il couper à ciseaux après ça il fait faire ça avec tipi et depuis là ça me tout gain confiance dans tête moi toujours couper cheveux jusqu'à ce que m'entre République Dominicaine ensemble avec profession et puis mon bon barbershop m'tal yo te besoin mon m'tal aller les m'rivé yo fait me faire expérience ensemble avec tondez m'kembel bien m'travail et puis jusqu'à kounya. Je fais 3 ans à travailler comme professionnel dans ce domaine dans barbershop et puis je rentre ici, je fais construction, je fais mal dans marché, à bon marché tout prix, aller me ça me pas de barbershop. Malé tout travail, je devais travailler pour me faire l'argent, malé pour me faire l'argent jusqu'à ce que je ne jeudi à me ici à local. Alors combien mois gain ici Mexique? Et moi environ 8 mois moi. 8 mois. Okay. Vous êtes passé par Nicaragua. Oui. Comment tu te sentais dans la route là? C'était, pas dire que c'était une mauvaise expérience parce que je n'ai pas eu aucun problème dans la route là. Moi, j'étais dans la route là quand même et que côté pour marcher à pied, côté pour prendre machine, jusqu'à ce que je arrive ici. Bon, c'était une très belle expérience quand même. Je souhaitais que les gens qui t'aient pour venir, ils ont toujours mis des idées positives dans la tête yo, et d'une façon pour qu'ils aient joué dans la route là, gens qui ont souhaité là, pour qu'ils aient été ici. OK, faut te montrer nous et n'a pas un room tout là dans espace là. Mm-hmm. Alors au jeune local ça là mm-hmm. et n'a pas montrer nous qui dans une zone. Comment zone là exactement? Ici c'est Tezonko. C'est Tezonko mais Avenida ça relé Istapalapa. Istapalapa mais Avenida Tlawak. Tlawak Istapalapa. Istapalapa. OK. Si. Mais c'est Tezonko. C'est San Lorenzo Tezonko. San Lorenzo Tezonko, c'est là que vous êtes. Alors profitez bien du numéro de téléphone pour si un monde a besoin. Eh bien. Et qu'on ait adresse là pour venir ici là et venir pour service. Et bien, nous avons encouragé et nous avons invité tous les compatriotes qui trouvent dans Mexico City venir encourager Pachou Barbershop. Et bien que et nous avons parlé dans les coulisses, nous avons dit passage ou pas prêté. Mm-hmm. Mais vous voulez toujours qu'il y ait un business là. Business là. Là, comme si on sens de passation. On peut aller. Yeah, t'as combien de soupes là? On peut l'autre monde qui doit fonctionner là-dedans. À l'aise. Ok. Okay. Et ça, c'est le bruit qu'on gagne là pour dossier chez VO. Mais comment balance là entre Haïtien et Mexicain dans le monde qui prend service dans le même? Eh bien, vous connaissez Haïtien, c'est deux passagers. Il y a toujours plein pour prix chez VO. Mais Mexicain, il y a même payé au normal. Même je dis Haïtien, tout qui paye au normal, il y a beau. Comme si propine là ou gérer tête ou à l'aise mais haïtien toujours gain tipe hein mais qui est-ce qui pour plus service mexicain ou haïtien? Bon moi pense yo égal lui mexicain haïtien yo égal. OK, est-ce que on ka révéler nous par exemple pendant que ou bay service ça là et n'a poser question quand même parce que mon qui t'a voulu connaître pendant que ou t'a travaille avec l'ovine gain barbershop là qui est là donc qui va plus comme et bon barbershop là son travail comme si ou pas connait ou pas prêté parce que gain des jours vinn là ou gain doit pas faire pas jeune grand client pour couper cheveux ou obligé rester si ou connait mais bon jour gain doit venir ou faire cob pendant tout jour qui ou pas faire cob comme ça pour l'autre travail ou travail comme si employado ou connait quelqu'un soit agent lié depuis aller cob ça cob jour à le compter quand même c'est différent ça mais moi même en tant que monde qui travaille ensemble peut-être moi me sentir plus confortable. Plus confortable. Par exemple, l'autre qu'on a travaillé avec les gens, combien de temps vous avez fait ici dans le Mexique par semaine, par exemple?
Il était par semaine, pas tellement contrôlé comme par semaine, il était contrôlé par jour. Mais l'elle t'a arrivé une semaine là où on a utilisé là-dedans. En plus, plus ou moins, on était 3000 pesos par semaine. Non, l'ITK, m'était gagné au moins 1500. 1500 pesos par semaine. Par semaine. Au Mexico City. Ya. Oui. Ok, parce que c'est un travail. M'était qu'on travaille. L'aime fait venir, m'était travaille dans le marché, aller mal dans le marché. Comme si je jeune moun kap, ki gen marchandise kap pote, m'oblige de repote, après lèm file de repote, yo bam ti kop, gen bam 50 pesos, gen bam 75, 100 pesos. M pa gade, chaque sa yo bam, mette l'an poche mwen. Ah, et ça veut dire que vous avez fait un fè nan jouan, si vous sorte kon touche. Oui, mais si... est-ce que ça pas trouvé nan moment que vous sentez gêné pour vin pote nan Mexique? Nous dit qu'on sa en bon créole, okay. Et ou al nou marché ou al pote pour faire quoi en tant que yon jeune professionnel? Même si moun depuis lèm te l'école, m'essayer vinc yon bagay nan mwen ki rele complexe, m retire l nan mwen totalement parce bam djou. Mami mouri depuis en 2010. Après 2010 la mami fin mouri. M gen 4 ti frè. C'est moi même qui pou faire tout bagay pou m'aider yo. Ça veut dire quelque soit jan sa y m'oblige prendre la rue. N'importe jan sa y faut rentrer la caille avec mon bagay. Kounya vin avec expérience République Dominicaine nan m retire complexe sa net. Imagine ou, m te nan cinéma. M jwe, m gen fè yon m jwe ensemble avec Annabelle, Jules Jessica Annabelle, je pense que le monde reconnaît lui. Je suis fait un petit commencé à jouer ensemble avec Fednael qui est le créé dans Saint-Domingue. Un paquet de grands artistes, tu as Gina, tu as un paquet de monde pour me citer. Je suis un bel feuilleton qui fait un pilote sur YouTube qui est la meurtrière, qui est un acteur très très réputé là-dedans et là-dedans, je joue toute popularité. Je suis un bel dans la rue Saint-Domingue, dans la construction. Toutes les femmes dans le feuilleton, dans la construction, les femmes dans le travail, les femmes paraissent, les gens disent comme ça. Bon, ou gros acteur pour venir dans la construction, même pas garder ça en rien parce que Cob l'a besoin, parce que les femmes dans le cinéma, tout, pas de quoi faire Cob. C'est talent là, même pas de quoi faire Cob. Si Anna lui même pas géré dans la salle, c'est un monde qui m'a toujours respecté parce que malgré des fois, feuilleton ne doit pas entrer comme maintenant, ça le dit toujours dit pas chou. Kebe ça dans poche parce que moi talent non toujours vle ou rete. Vous comprenez? Moi retire toute timidité dans moi. L'aime venir ici moi gen moun jeune dans marché. L'aime m'apporter en tant que haïtien, yo dit comme ça, ça est pas chou. Me dit oui est pas chou, yo dit, ça vinn faire ici, me dit, j'en nous venir, me venir parce que la caille pas. La vinn a chercher. Et la vinn a chercher. Même ça, m'pas jam complexe un jour parce que comme l'âme te nécessité parce que les ti moun yo dit yo besoin bagage Saint-Domingue faut qu'on fait comme connait is faut me voir et ça et pardon comme voir et puis pour me payer caille pour manger ici moi obligé retirer complexe là. OK, on devrait comparer par exemple qu'on y a là pendant dans barbershop là combien corps pour évaluer café dans semaine comme ça. Non semaine tant Jean si semaine comme si semaine ça bon donc laisse ça bon. Laisse ça bon donc barbershop pas gain laisse ça bon gain jour bon gain jour pas bon mais on va le ouais parce que c'est dans fin semaine non va le ça rentrer. Seul bagaille barbershop là ou pas jamais rester 150 gouttes dans poche. Donc on doit faire semaine ça. On fait 3000 pesos. De l'autre semaine encore, on fait 1000, on l'autre semaine qu'a venir encore on fait 4000, on l'autre semaine qu'a fait 5000 dépend des gens ça. Mais on fait plus cob que l'autre qu'on a travaillé. On fait plus cob que l'autre qu'on a travaillé, même pas jamais oublier jamais qu'on a travaillé m'a toujours parce que n'importe côté moi rivé depuis même pas que jeune barbershop là. Et là, je n'ai pas de gens qui me font quoi parce que je ne peux pas arrêter sans quoi. Ok, mais numéro de téléphone avant nous avancer dans le débat parce que c'est question toujours. Ok, numéro de téléphone, moi, c'est plus 52 962 962 354 80 99. Important. Tout le monde qui t'a aimé venir dans le parcours de Barbershop, venir encourager, oui. Vous pouvez contacter dans le numéro ça. Ok. Et est-ce qu'il y a un service additionnel qui va là, tant pour payer pour mesdames, parce que je regarde là, yeah. Je vais gagner quelques designs, par exemple, des dresses. Est-ce qu'il y a des gens exactement qui va servir ça là, dans le barbershop là? Tant oui. Payer moi, ça. Nous, ici, à notre barbershop, nous baillons. Tout service qui a rapport ensemble avec cheveux, nous payons mesdames, nous payons messieurs, nous gagnons service et dreadlocks, nous faisons tout bail ça, nous payons toute qualité de tresse africaine. Tout tresse qu'on est haïtien qu'on fait à bon ici à tout, bon bagay nous vinn rendre mexicain yo fait, c'est façon que nous payons mesdames yo vinn prendre plaisir là-dedans qu'on a nous. Il a payé toi, c'est mexicain qui vinn payer là. Tout le temps, yo vinn payer là normalement. OK. OK.
pour yon moun mette un business tant que jeune local là pour faire mail et est-ce que processus ça difficile, est-ce que son bail qui difficile pour mettre business, est-ce que par exemple son business qui est légal ou déjà payer taxes pour lui, comment ça y est? Bon, tout le monde a la même chance, mais il y a une façon de fonctionnement pays en tout. Moi-même, pour me faire un business, c'est dans un autre barbershop qu'on a allé les week-ends seulement. Et que je me faire un client mexicain qui dit mais est-ce que je ne vais pas travailler parce que lui il travaille bien. Si je ne vais pas travailler pour comme, je me dis oui. Et puis il dit que c'est un monde qui a un local qui n'a pas gagné rien, que c'est un monde qui a été coupé chez lui, il n'est pas fort vraiment. Parce que lui même travaille la femme jeune et que le femme jeune ni m'pa payer comme si taxe vraiment sauf que me connais chaque mois mon bon quantité comme pour me payer mettre local là. OK. Mais pas exiger gros contrat exagéré. Non, yo pas exiger me trop. Ça veut dire facile pour haïtien mettre business ici là. Li facile. Premièrement, faut qu'ou kate ke espagnol là. Deuxièmement, faut qu'ou pas comme si m'te ka rele ça dans sens vagabond parce que moun nan gade ou sou façon que ou yé. Si le ou son moun si nous avons des gens qui veulent craser le local, c'est difficile pour le baoul. Avant que le baoul tout, il y a des gens qui ont demandé, moi-même, la chance de gagner, c'est un Dominicain qui a fait le jeu de moi. Pour n'y aller vite pas. Mexicain, mais Dominicain. Aïe. Toujours gagner un Dominicain en tête, c'est un Mexicain qui a fait le jeu de moi. Pour n'y aller vite pas, tâche n'en vienne pas trop pour moi parce que le Mexicain parle avec lui, il fait le connaître qui est moi et puis il dit, bon, moi, normalement. Un bon référence, je n'ai pas de référence. Oui, ok, question clé. Et dès que nous avons soufflé ça dans la vidéo, dans l'interview, oui. Objectif là, c'est les États-Unis. Ou bien si toutefois ça t'a passé un petit jeu négatif ou pas qu'il rentré, est-ce que vous avez un peu adapté pour vivre ici là? Moi-même, je suis un monde qui prend comme si je suis liquide, je prends forme n'importe récipient que mieux. Parce que des républiques dominicaines haïtiennes, ce n'est pas pitié. Si on monde choisit, et si on monde qui vit ce domaine, toujours dit ça, pas de côté où il ne faut pas vivre. De pour retirer complexe. Si ça vient passer qu'on y a la mission là, m'a pas vivre ici hein. Sauf que m'gen doit pas faire, m'gen doit pas rentrer ça que m'ta rentrer si pour m'ta mettre comme si passer m'toujours suggérer ça en tant que petit frère mieux. Parce que tout ça m'gagne, yo gon parti là-dedans. Vous comprenez? Faut que m'ta rentrer en bagaille pour m'ta aider petit frère mieux, quel que soit petit coup gros forme qu'a faire, m'a pas vivre à l'aise mais comme si destination pas pour ici. Okay. Destination c'était pour rentrer aux États-Unis pour me faire une vie qui plus meilleure et puis pour m'aider la famille. Quelle différence vous faites entre vivre ici là, Haïti et plutôt République Dominicaine? Et quelle différence? L'aimer Haïti, moi j'étais comme si un jeune garçon qui a rentré en âge. Celle ça m'était qu'on fait qu'on rentrer mon club c'était jouer football. Mais qui pas de statut grand monde non vous comprenez mais m'était toujours là m'a vivre Jean Saé Mango ça le t'ai gagné vivre mais l'aime rentrer République Dominicaine malgré dans un premier temps m'était avec grand sœur mais après ça m'était venir accepter grand monde parce que m'était voyer des petits mignon m'était obligé enfermer caille qu'on y a m'venir un statut plus grand monde comme si maturité a plus avancé République Dominicaine à l'aise. République Dominicaine était venir comme si me grandit plus par façon moi comportement dominicain yo haïtien qui vivent ces domaines yo façon yo traiter haïtien yo m'était obligé chercher en façon moi-même pour me rendre tête moins jeune comme si tâche la plus facile les dominicains jeune moi pour pas penser négatif me chercher mettre ma moi en gens et puis me vivre ici en toujours me vienne augmenter plus en nan mai moi comme si capacité grand monde nan jan nou rele la li vienne plus grandir dans moi même c'est toi différence ça Haïti m'était plus paraître plus ti moun malgré m'était toujours responsable c'est domaine même Maïl en vient plus augmenter, vient grand monde et ici à même dans ces mêmes Maïl Saint-Domingue en vient à grandir ici. Traitement ici là qui mexicain baou en tant que haïtien qui surtout qui gagne business avec l'autre République Dominicaine, qui différence au café dans traitement pour haïtien entre deux pays ça. OK. Comment? Nous ka di traitement ou pas trop différent sauf que gen image de qu'on garder l'aime Saint-Domingue ici on pas wayo gens y a traiter haïtien mais pour moi même j'aime dire là je ne peux recevoir aucun sens raciste dans le Dominicain. Je ne peux pas chiter à la caille. Je rentre, je sorti, je sorti bonheur, je rentre tard. Je rentre comme si voisin, je toujours demandé à mon
et côté Bessino, côté frère là, il toujours à travailler, pas jamais gétant là, même dimanche il est toujours travail. Okay. C'est de ça vient rendre tout, yo vinn pas vinn aucun faille dans moi pour ta bam comme si cri raciste, l'aime dans la rue, il toujours bien jusqu'à ici en toujours. Je n'ai pas aucun comportement raciste. Dominicain coupé cheveux, non, même Saint-Domingue, haïtien coupé. Ici, à Mexicain coupé cheveux, haïtien coupé cheveux. Je n'ai pas trop de problème. Sauf que, l'image sur Internet, là, qu'on choque. L'aimé Saint-Domingue. Là où il vient aux États-Unis, si tout le monde arrive à rentrer, qui rêve, qui objectif, qui sont comptés faire là-bas? L'aimé rentrer aux États-Unis, je ne sais pas si je vais dire que c'est choquant, mais je pense que. Avec le temps, la bien facile pour moi. La moitié aux États-Unis, si j'ai une chance de arriver, pour juste qu'on y a, si m'dou, m'bagon, on famille vraiment qui a tant de moi aux États-Unis. C'est une des plus gros points rouges qui met d'où qui sont avenir. M'bagon, on famille aux États-Unis comme si m'connais. J'ai tout le monde qui prend la arrivée ici. Il dit, les arrivés aux États-Unis, y'connais tel monde soit qui te file pour y'en Biden ou sinon. Qui attend dans CBP on moi pas rien me toujours mettre dans tête moi que l'aime rivé m'a adapter m'a n'importe situation je m'a adapter ma avec et si m'ta gagne chance je n'ai aux amis au connaître un monde quelconque qui pas reconnaître moi qui accepter ban 2 3 jours logement ban 2 3 jours logement pour m'ta continuer vivre m'a mettre tête moi dans condition pour m'ta faire s'il t'a ban 2 jours pour faire ban 3 jours pour m'ta pour le ka aider me sortir et puis moi même pour me ka continuer vivre mais tout rêve moi c'est toujours travailler dans barber shop mais j'aime dire là si me te gon monde qui te gagne avance États-Unis capitaine moi les moi veut que ka pousser pour me ka joindre ta plus bon pour moi ta plus facile même pas gagner les moi veut États-Unis quelque temps soit agence aérien travail n'importe travail là m'a fait jusqu'à ce que moi même ka joindre stabilité pour mettre barber shop moi capable pour continuer travail. Alors, vous dites vous pas gagne famille, vous jeunes amis qui partagent adresse té avant pour que vous fassiez CBP on là. C'est un monde qui dans même groupe ensemble avec moi qui gagne monde ni et puis il mette chaque groupe me passé, c'est toujours comme ça. Monde yo toujours chef groupe yo même yo met adresse par. Ah OK. Comme vous jouez adresse ça. Jouez adresse et adresse moi. Vous pas gagne monde, pas gagne personne. Non. Parce que et là le point rouge là, me pense c'est moi même qui prend le premier monde dans famille. Si on l'autre famille m'a rentré aux États-Unis qui pourrait dire OK, j'ai frère moi sinon j'ai cousin, j'ai cousine moi aux États-Unis et que ba me relé pas chou et qu'on ça le pourrait dire mais pour kounya m'ba gagne famille ba ça. OK, ou au courant que quand même pourrait gagner un changement d'administration aux États-Unis. En pile, gagne en pile menace et si Donald Trump ta gagne des déportations, des fermer programme dans tout ça. Est-ce que vous pas gagne un plan B et si toutefois vous êtes arrivé à rentrer aux États-Unis pour faire face à une situation ça peut-être qu'a présenté qui plan B m'te ka dit dans moment petit temps me fait ici c'est ta plus meilleur plan B m'te ka joui des papiers légaux yo ka ba ici mais ça que m'te fait qui vinn par ton petit genre cauchemar dans situation l'aime te vini m'ta le fel yo di yo te di li camper yo pa ba accès ensemble avec m'ta aller dans côté m'ta aller dans Koumal yo te menem yo te di yo pa ba accès kounya la ensemble avec immigrant encore m'te rete m'pa continuer processus là c'est li te ka plan B bon m'pa gagne papier hein deuxième ça m'gagne m'te ka gagne comme plan B si yo ta m'ta joine déportation yo ta déporté premier ça m'ta fait c'est retourner rentrer République Dominicaine pour m'te ka al continuer vivre parce que on pas ba nous mentir Haïti bien que côté me sorti haïtien li pas chaud mais pour me passer al côté me sorti hein m'a passé tout côté que chaud honnête mais qui zone sorti Haïti me sorti à Kin dans département sud au Kay alors ou pas faire résidence c'est là pour moi même personnellement et en tant que un jeune qui vini ou tout pas un monde vraiment capitaine aux États-Unis pour orienter ou. Moi on a pris mes bagages d'après c'est faire résidence ici là mais quelque soit façon hein chercher faire résidence là comme plan B vraiment parce que c'est ça qui est plan B là OK il y a monde qui est au Canada qui dit bon plan B c'est Canada non pas qui mon Canada pas qui mon Canada moi même conseil que m'était cabao c'est faire résidence dans ici là si toutefois ou arrive pas toujours aux États-Unis toujours on couloir pour entrer aux États-Unis pour si on entre aux États-Unis ça pas fonctionner ou qu'on a gagné à part des pays dominicains nous avons l'autre un deuxième pays qui a fonctionné là-dedans à l'aise et ici là moi-même personnellement moi taux de discrimination comparatif avec les dominicains ça nous pas qu'à comparer des pays à eux envers ici ici là en tant que noir ou bienvenu au café business car nous jeunes locaux nous local café business et mon dieu venir au point service non mais on
Et si on légal, on a une possibilité pour faire plus de progrès toujours, oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là? Alors ça, c'est juste une suggestion et un conseil pour côté papa. Bon, je suis content pour le conseil, là, ça fait plaisir. Et que j'aime dire là, je vais aller continuer le processus là pour moi si je vais jouer une résidence là ici. Si je vais jouer tout, avant que je ne pas au bon dans CBPO, c'est la meilleure façon. Et je juge peut-être moins tôt tout parce que je ne vais pas être en fait. Parce que littéralement, je vais aller mal, je ne vais pas jouer, mais si je suis focus, je ne vais pas jouer. Dans ton game, on ne va pas jouer. Okay. Eh bien, parce que c'était un plaisir pour que je sois capable de dire avec vous sur la plateforme. Yeah. Déjà, je souhaite aussi que c'est dans tout ça que vous avez fait. Vous avez le courage en tant que un jeune garçon qui n'a pas de parents, qui a couché, ou venir sortir jouer au maman, papa. C'est ça qui est intéressant dans l'interview. Alors, jouer au maman, papa, pour petit frère, pour ça, c'est vraiment intéressant. Et vous avez plus de responsabilité pour ce monde qui doit réussir dans tout le temps que vous vivez. D'accord, frère? C'était un plaisir et je pense que dans l'autre occasion, on a dialogué. D'accord, frère, et que je vous remercie tout parce que si vous n'avez pas accepté bonne visibilité, ça, je dis à quelqu'un qui ne connaît pas ta pône par chou barbershop et que par coup, je suis Saint-Domingue, malgré que je suis dans le cinéma, je suis un peu fanatique dans le cinéma, mais je suis un peu le temps, je suis toujours écrit sur Instagram, je ne suis pas tant d'artistes là, mais je pense que je dis si vous allez sur le page, je pense que vous avez qui ça me devenu et puis continuer à ça me faire ensemble avec Vim, c'est pas Rete Chita. Mais plutôt continuer pour moi c'est me faire plus comme parce que me en pile en pile en pile en pile charge qui sous dôme. OK, c'est bien d'accord, c'est toujours un plaisir pour que moi capable de bao ça qui nécessaire sur plateforme moyen pour que plus pour capable connaître soit faire quelque soit côté de carrière quelque soit pays où tu aller encore n'a toujours qu'un contact pour que nous capable toujours fonctionner. Eh bien OK frère, c'était un plaisir en pile love, merci en pile et que me félicite au. Je salue tout fanatique Pachou Barbershop, tout fanatique Pachou qui reconnaît lui dans le cinéma et puis tout le monde là qui m'a regardé, toute famille et puis on l'autre fois. D'accord. Merci à vous même qui t'a regardé, quittez un commentaire qui sont pensés de Pachou et puis après dans l'autre vidéo. À la prochaine. Yeah.